accélérer le processus. Got it. On a vraiment accéléré le processus fin août avec la réception des données de l'évaluation multisectorielle des besoins de REACH, donc avec l'ICC et l'Assessment Working Group. Après, on a voilà, résultats ICC, les résultats sectoriels, etc. On a fait toute une analyse conjointe et on a initié le HNO. Et sur cette même période, en fait, de août à septembre, on a organisé une réunion spéciale avec le GTCash plus longue que d'ordinaire, pour non seulement analyser les données de l'évaluation MSNE qui avait trait au cash, mais également faire des petites analyses croisées donc sur comment on a, selon les zones géographiques et les catégories de population, différentes préférences pour les modalités donc en nature cash et mixte. Donc on a fait une analyse combinée pour comprendre un petit peu les déterminants de ses préférences en termes de protection sur les marchés, de prix d'approvisionnement, etc. Donc, on est très content. On a publié notre aperçu des besoins humanitaires fin octobre, le 27, et on a immédiatement, même avant, commencé le processus HRP qui suit son cours. Donc, par des consultations dans cinq zones sur le terrain et à Bangui, plus de 150 partenaires humanitaires interrogés. Et à ce moment-là, de nouveau, une réunion spéciale du groupe de travail Cash pour travailler sur notre stratégie de réponse 2022. Voilà, et on espère publier le HRP dans 15 jours, 3 semaines, les chiffres sur les cibles et la demande de financement et les stratégies ont déjà été validées par l'équipe humanitaire pays. Maintenant, si on rentre un peu plus dans les détails sur ce slide-là, vous allez peut-être reconnaître les grandes étapes du HPC et là donc focalisé sur le cash. Donc on rentrera dans les détails après, mais on vous a précisé donc depuis en rouge l'évaluation et l'analyse conjointe. Ce qu'on fait, je vous laisse lire hein, de cette analyse des déterminants des modalités faites avec le GT Cash, de l'intégration d'indicateurs cash dans nos évaluations multisectorielles, le suivi des marchés, les études de faisabilité, etc. Donc un gros volet tout au long de l'année et qui s'est accéléré avec le HNO sur l'évaluation et l'analyse conjointe liées au transfert monétaire, au marché, aux préférences des populations affectées. Ensuite, tout ce qui est processus de planification, donc qui aboutit au HRP, là encore une fois, on développera les éléments ensuite. Vous avez quelques éléments, hein, mais donc c'est à la fois s'assurer que le cash est intégré dans les stratégies sectorielles, au-delà du narratif qui est vraiment une réflexion sur quand c'est possible et faisable et souhaité par les populations que ce soit envisagé comme une modalité de réponse pour l'accès aux services essentiels, pour le relèvement des survivantes de VBG, pour la santé, pour la sécale, etc., etc. Et au-delà de ça, notre approche multisectorielle et en termes de NPC pour le cash. Et tout ça, c'est soutenu évidemment par des mécanismes de coordination forts. Donc le GT Cash au niveau national est notre objectif en 2022 et de mettre en œuvre. Pardon. Pardon, Eve. Oui. Je ne sais pas si. Ah voilà, maintenant c'est bon, c'est coupé. Il y a une sirène qui crie là. Ah, je suis navrée, c'est peut-être chez moi. Je suis désolée, je vais peut-être essayer de parler un peu plus fort. Mais bon, je vous laisse lire le slide, hein, mais après, vous connaissez le stick HPC. Mobilisation des ressources, donc là, ça va depuis l'utilisation du CBPF comme levier pour mettre en valeur des projets cash innovants jusqu'à la mise en œuvre de UN Common Cash System et le plaidoyer conjoint auprès de tous les bailleurs pour scale-up, mettre à l'échelle le cash à usage multiple quand est-ce que c'est possible. Et enfin, pour la mise en œuvre et le suivi. Ah, mais en fait, je pense que je vais peut-être devoir sortir et que c'est une alarme incendie. Je vérifie, je vais continuer jusqu'au moment où on me vire de mon bureau. Mais enfin, le dernier acte, c'est la mise en œuvre et le suivi. Donc là, dans notre plan de réponse humanitaire, on a un objectif spécifique lié au transfert monétaire. On a des dashboards tous les trimestres qui permettent de suivre la réponse en transfert monétaire par secteur, zone géographique, modalité, etc.
Et ensuite, sur le plan de vue un peu plus qualitatif, on a des enquêtes qui nous permettent de suivre les perceptions des bénéficiaires avec cette différenciation transfert monétaire ou non. Et bon, Valais, l'année prochaine, c'est un peu capitalisé sur les PDM que font chacun des acteurs. Considérant nos évaluations, là, vous avez quatre axes. Encore une fois, pour une question de temps, je ne vais peut-être pas aller dans les détails, mais vous allez pouvoir voir qu'à la fois, comme dans la majorité des pays, je présume, on a des initiatives assez fortes et conjointes sur le suivi des marchés mensuels. On a beaucoup de choses. On a l'initiative de suivi des marchés conjoint avec 12 ONG, REACH et le GT Cash, avec une couverture géographique qui augmente. On produit, quand il y a un choc dans une zone, une demande des acteurs stratégiques et de l'équipe humanitaire pays, des produits assez flexibles. Tout ça, c'est en relation également avec le suivi du PAM-VAM et également des données ICSS mondiales. Au-delà de ça, sur un peu plus l'approche qualitative, c'est ce troisième angle. On a des enquêtes qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux l'expérience des bénéficiaires depuis le ciblage jusqu'à le fait de lorsqu'on dépense le transfert monétaire. Donc ça, c'est avec le baromètre cash et Drawn to Solution. On a la deuxième ronde qui est en cours. On va analyser les résultats dans une dizaine de jours. Et encore une fois, dans les enquêtes de perception ordinaire, comme on mentionnait tout à l'heure, on est capable de faire la différenciation entre les bénéficiaires en nature et en cash. Oui. Pardon. Oui. Avec la sirène, là, c'est un peu difficile. OK. Peut-être il faut... Est-ce que Walid, tu serais capable de prendre la parole du coup et de continuer? Oui, ce serait mieux quand même. Oui, je vous prie de m'excuser. Emmanuel, je vais pas fermer les fenêtres, pardon. Oui. Je sais pas si je suis Walid. Oui, Walid est là, mais je sais pas s'il nous entend. Walid? Walid, apparemment il est en mute. Ben, sinon, l'autre alternative, c'est de passer à la présentation de l'intervention de la RDC, puisque c'est la même thématique, c'est le même point d'ordre du jour, le temps que peut-être de votre côté, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas. Il n'y a pas de souci pour moi. J'ai essayé de fermer les fenêtres, mais j'imagine que c'est toujours compliqué pour vous. Donc, Paul, tu peux y aller. Oui. Alors, je ne sais pas, c'est Jennifer ou bien c'est Paul? Je suis là. Bonjour, Abdoulaye. Salut, bon. Jennifer. Tu veux que je commence, Jennifer, peut-être? C'est à toi qui a planifié. Moi, je n'avais pas planifié. Ça, c'est son point d'accueil. Ça marche. OK, je vais partager une présentation en espérant pas trop répéter ce qu'a dit Eve. Pour le Congo, j'espère que vous voyez. Il y a certains slides qui sont en anglais, je crois, mais je ferai la traduction si besoin. Globalement, pareil pour nous, hein, le point d'entrée du HPC, c'est vraiment les thèmes transversaux donc, qu'on inclut dans le Chainwatch RP. Donc, vous les voyez tous, c'est notre point d'entrée, c'est le fait qu'il y a les transferts monétaires, alors en particulier à usage multiple, qui font partie des termes transversaux en RDC. Notre calendrier, hein, quand même, on a un peu la même approche. D'abord, on a présenté le processus HPC au niveau du Cash Working Group. Et aussi, on a fait une présentation à l'ICN sur le cash et le HPC. Qu'est-ce qu'on attend des clusters, en particulier donc, dans leur partie sectorielle, une analyse de faisabilité cash, une analyse des modalités de réponse et des critères de détermination des modalités. On espère aussi une désagrégation de leur réponse sectorielle par pourcentage de cash. Et aussi en termes de budget requis, quel est le volume requis pour le cash et l'assistance en nature. Et également les indicateurs de suivi, qu'ils aient des indicateurs qui soient exclusifs au cash, soit mixtes, permettant donc une désagrégation par modalité.
Voilà, ensuite, ce qu'on a fait donc, la semaine dernière, on a développé les narratifs HNO. Donc, c'était une collaboration Cash Working Group Rich et WFP, un peu PAM. Et donc, c'est un progrès pour nous. On n'avait pas nécessairement beaucoup l'an dernier. Et cette année, on arrive donc, avec une section de 3 pages, un peu comme Eve d'ailleurs, basée en particulier sur les données de Rich, hein, du GMMI, de l'initiative conjointe de suivi des marchés, et aussi quelques ajouts de PAM au niveau du PAM sur en particulier l'évolution pour la partie alimentaire du panier minimum alimentaire, etc., et les tendances de marché. Donc ça s'est bien passé. Et là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de développer la section MPC, donc cash à usage multiple, du HRP. Donc on va faire ça avec le cash working group et aussi les niveaux régionaux provinciaux d'ici le 30. On a également offert aux clusters de les aider, de fournir un appui, en particulier en termes de contrôle qualité, de la transversalité du cash dans leur partie. Et ensuite, donc, on publiera le HNO. On a un calendrier un peu plus tardif que Eve. Donc, on espère avoir notre HNO le 15 décembre et le HRP ensuite. Nos objectifs, c'était simplement donc, de promouvoir le cash au vu de ses avantages comparatifs au Congo. Alors, on les connaît, hein, le cash ici. En particulier au vu de l'étendue du pays et des difficultés logistiques. En général, c'est moins cher, ça va plus vite. C'est une modalité préférée des bénéficiaires et le MSNE qu'on a eu récemment l'a réaffirmé, etc. Et aussi en vertu des engagements donc, du Green Bargain, ce qu'on a rappelé également au cluster, qui est toujours un bon point d'entrée pour rappeler la nécessité d'augmenter la part du cash dans la réponse. Et on veut aussi utiliser le processus HPC comme... disons un forum comme une plateforme pour réellement avoir une analyse plus conjointe de la réponse et en particulier des options de réponse multisectorielles. Donc ça revient également à la partie cash à usage multiple. Alors sans rentrer dans le détail, mais vraiment ce qu'on veut, c'est qu'il y a une référence au cash à travers tout le document HRP et que ça occasionne surtout une analyse de la réponse et de la faisabilité et également... Bon, s'il y a des challenges, en particulier certains clusters nous l'ont réaffirmé, s'il y a des challenges qui soient réellement mis en évidence, que ça puisse aussi appuyer des messages de plaidoyer. Cette année, on voudrait enfin renforcer la part de AAP, donc la redevabilité aux populations affectées. On voudrait vraiment faire ce lien cash AAP plus systématiquement dans nos documents de planification et tenir compte aussi d'une analyse. On va essayer ça dans la section cash à usage multiple, d'une analyse aussi en matière de genre, d'âge et d'inclusion. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on va faire cette partie cash à usage multiple. On ne la veut pas comme un fourre-tout, on veut vraiment que ce soit spécifique au MPC, que ce ne soit pas... une partie pour inclure toutes les considérations cash. Ça peut être aussi le lieu des parties sectorielles, si les secteurs, le cluster le souhaite. Et donc, on va soutenir aussi cette réflexion au niveau des clusters. Alors, en particulier, les clusters qui font le plus de cash en RDC, c'est-à-dire sécurité alimentaire, abri, AME, ou encore l'assistance multisectorielle aux réfugiés, mais pas que, puisqu'on a aussi des clusters qui s'impliquent de plus en plus. Je pense par exemple à la nutrition dans des approches de faisabilité cash. Voilà, je ne vais pas réellement rentrer dans le détail de toutes les analyses qu'on a voulu faire pour le HNO, qu'est-ce qu'on a voulu inclure, en particulier en termes d'analyse de prix, de marché, etc. Pour le HRP également, pareil, on a regardé partie par partie, où est-ce qu'on peut injecter des narratifs cash et de l'analyse. Donc, on a vu... toutes les parties, que ce soit les parties initiales, les priorités stratégiques, la partie cash à usage multiple, les parties aussi liées aux indicateurs suivis, et enfin les parties sectorielles. Ce qu'on a demandé au cluster, donc dans cette réunion qu'on a eue il y a 2 semaines avec eux, avec l'intercluster national, où on a fait une présentation, on leur a demandé dans les parties sectorielles d'inclure des narratifs sensibles au cash, une analyse de modalité et de faisabilité, également... voilà une analyse de ce qui est fait actuellement et pour l'année prochaine, quels sont les indicateurs qu'ils souhaitent et également le budget requis. Donc, comme je l'ai dit, désagrégé, cash ou nature. Donc, c'est ce qu'on leur a demandé. C'est le slide exactement ce qu'on leur a demandé. C'est les modalités de réponse, les critères utilisés pour déterminer ces modalités, les pourcentages de cash dans vos clusters pour l'an prochain et les indicateurs et les budgets requis. Je passerai rapidement sur ça. Je vais m'attarder peut-être plus sur la section
cache à usage multiple. Pourquoi c'est important pour nous? Vous pouvez le voir facilement, c'est parce que le cache à usage multiple est en nette augmentation en RDC. Sur les trois dernières années, ça a quadruplé. On devrait atteindre 3,1 millions de personnes bénéficiaires cette année, donc c'est à peu près 93% de notre cible annuelle du cash working group. Et si vous regardez même cette année, d'un trimestre à l'autre, on a toujours augmenté notre volume d'activité. Donc, c'est une modalité qui est majeure en RDC. C'est à peu près un tiers de la réponse humanitaire ici. L'an dernier, on avait une section relativement longue. On va essayer peut-être, si on y arrive, de la réduire un peu. C'est vrai aussi que le format en français fait que voilà, y a une police de caractères qui est assez grande. Et bon. Mais on va essayer de réduire légèrement ça. Mais comment ça s'articule? Bon, on a une partie vraiment d'aperçu de la réponse cache à usage multiple, une partie plus propre au contexte voilà, en termes opérationnels également, par exemple, hein, en termes de contexte régulatoire. Et ensuite, on a une partie qui décrit un peu plus les aspects de coordination et qui a trait au Cash Working Group avec ses réalisations pour cette année, les défis et ce qui est planifié pour l'an prochain. Donc, ce qu'on pense faire, pardon, ce slide est en anglais. Ça, c'est ce qu'on avait donc cette année que je viens de rappeler. On avait aussi, dans la partie contexte, un certain nombre de considérations liées à la capacité des acteurs, à la faisabilité des marchés, aux aspects de protection et à l'environnement légal. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi inclus. Et enfin, et c'est un thème aussi important, les liens avec la protection sociale. On a décrit les arrangements en termes de coordination, cash working group, nos différents objectifs, priorités, feuilles de route. Et on a décrit également, donc l'an dernier, ça c'est encore une fois, pour l'an dernier, les différents outils qui avaient été développés par le Cash Working Group, en particulier en lien avec les prestataires de services, le NIDI, etc., les KPPV, les produits d'information. On avait décrit les challenges, donc dans le cadre de la RDC, c'est le financement limité, le manque d'harmonisation des taux, la disparité de performance des prestataires de services et le manque d'infrastructures, etc. Et on avait donc trois indicateurs, dont un indicateur de résultat, donc en lien avec les recommandations du Green Bargain. Ce qu'on veut changer, je vais m'arrêter là, ce qu'on peut améliorer pour cette année, on voudrait peut-être plus de granularité dans notre analyse des tendances actuelles de cash à usage multiple. On voudrait une analyse, si possible, par zone géographique, par type d'acteur, par période, etc. Pour le contexte, on voudrait, donc, comme je le disais, réellement renforcer les liens avec les questions de redevabilité, mettre des références au MSNE, qui dans notre cas a réaffirmé la préférence des bénéficiaires, 66% des bénéficiaires MSNE dans l'étude MSNE ont une préférence pour le cash à usage multiple. On voudrait peut-être renforcer certaines analyses également de protection. On a eu un atelier récemment sur le cash et la sensibilité au conflit, éventuellement également sur les questions de genre et d'âge. Mettre à jour aussi notre section liée à la protection sociale, etc. En termes d'arrangement de coordination, on voudrait voilà, mentionner le renforcement de certains arrangements, en particulier au niveau terrain, où on a pu augmenter un peu notre capacité de coordination et le nombre de coachers sur le terrain. Également, une référence à nos mécanismes de redevabilité, puisqu'on rapporte à l'ICN. Sur les outils, on va mettre à jour tout ce qu'on a fait cette année sur le MIDI, le TMMI. Bon, je vais passer rapidement sur notre liste de produits et également mettre à jour les différents challenges liés au cash au Congo, basés en particulier sur, on a eu une étude de satisfaction des humanitaires envers les prestataires de services récemment et qui soulève un certain nombre de challenges, que ce soit lié à la mise en œuvre, au reporting, à la gestion des risques, aux questions de sécurité, etc. Donc ça va être l'occasion également de mettre à jour cette partie. Et enfin, on va avoir une réflexion sur nos indicateurs. Vous voyez nos indicateurs de l'an dernier. Donc, on a un indicateur très générique, combien de personnes a assisté. Un indicateur également numéro 2 qui est très générique aussi, puisque c'est le montant de transfert au niveau du pays. Et un indicateur 3 qui correspond au pourcentage de ménages qui ont été capables de remplir tous leurs besoins à la suite de l'assistance. Voilà, ça c'est un indicateur qui pose peut-être plus de problèmes. On a un taux de reporting qui est bas en RDC sur cet indicateur. On a environ 30% des organisations seulement qui nous répondent là-dessus. Mais c'est un indicateur quand même qui est très important. Alors, on va essayer de penser si on le reconduit ou si éventuellement
en consultation avec le Cash Working Group, il y a des changements à faire, donc à voir pour ça. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais de mon côté. Désolé, c'était peut-être un peu plus orienté processus que Eve, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, et sinon je vous renvoie la parole. Ok, merci beaucoup Paul pour cette présentation. Bon, vu qu'on a eu des difficultés avec la présentation de la RCA, peut-être qu'on va directement ouvrir les questions, débats, contributions pour ceux qui en ont par rapport à ces deux présentations. Donc, ceux qui ont des contributions à faire pour le même exercice dans leur pays, ou des expériences à partager par rapport à ces... Donc, la parole est à vous. Désolée. Alors, je prends la question. Je m'appelle Lynn, je suis la conseillère technique régionale pour Save the Children sur CASH. J'entends rien non plus, Jennifer. Ok. Et maintenant? Abdoulaye, oui, mais la collègue de Save the Children, non. Mm-hmm. Je demande de mettre. Ouais. Je demande de mettre. Peut-être on enlève ça. Ça s'appelle Alba. Est-ce que c'est Alba? Oui. Ok, alors il faut. Oui. Ouais. On voulait juste mentionner que Save the Children, au niveau global, est en train de développer un outil pour Multipurpose Cash 1000. Ah, est-ce que vous m'entendez, d'ailleurs? Oui, très bien, très bien. C'est très fort. Ok, parfait. Alors, nous sommes en train de développer cette boîte d'outils pour 1000, pour MPCA. Et si vous êtes intéressé, je peux aussi partager avec vous ces outils. L'outil a été développé avec une consultation avec différentes ONG et des agences. Merci. Ok, merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a des questions, des contributions par rapport à cette présentation. Mais maintenant, je ne sais pas, Eve. Non, bah, Abdoulaye, j'aurais l'impression que c'est un peu du coup tard ou redondant. Je peux juste parler sans. Vous pourrez peut-être partager la présentation et s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Juste si je compare avec la présentation de Paul, très intéressante et les axes sont très similaires, seulement ouais. Peut-être des choses différentes, c'est que bah nous, le MPC, ce n'est pas encore un tiers de la réponse en transfert monétaire. On est à moins d'un dixième pour plusieurs raisons. Donc, c'est quelque chose qu'on veut vraiment renforcer en 2022, mais voilà, en toute humilité, du coup, il y a beaucoup d'autres dossiers qui vont au-delà du MPC, donc dans la partie HRP et intersectorielle et sectorielle, notre partie optionnelle 1.6, désolée par avance IO, mais ne sera pas uniquement centrée sur le cash à usage multiple. Après, sur les enjeux importants pour nous en 2022, bah, de manière similaire, en fait, c'est notre stratégie cash, elle est alignée à notre stratégie de réponse multisectorielle globale. Donc, la redevabilité comme la protection, c'est au cœur. Comme Paul
le disait pour la RDC. Donc, on a des pistes pour améliorer le suivi. Par exemple, là, je fais peut-être référence à la question de Kadim sur le chat et après, Paul pourra compléter pour son expérience. Mais nous, la redevabilité et le cash, ça veut dire une foule de choses depuis ce qu'on mentionnait avec Paul sur le fait que ce soit à la base les préférences exprimées par les populations qui gouvernent le choix des modalités, soit MPC, soit sectorielles. Mais jusque, par exemple, nous, en RCA, on a des mécanismes de redevabilité collective sur plusieurs gros sites de PDI où c'est des centres communs pour collecter des feedbacks et tout ça est analysé à Bangui. Et on veut vraiment, avec le GT Cash et le groupe de travail AAP, créer des synergies pour un petit peu analyser de manière systématique ces feedbacks qui remontent. Ça, c'est un axe, et aussi assurer que les PDM, voilà, comme je disais, bah, ne restent pas seulement au niveau des organisations et qu'on ait un peu un apprentissage systématisé et conjoint pour améliorer la programmation au niveau stratégique. Voilà, par exemple, nous, ce qu'on entend par redevabilité. La question de la redevabilité, est-ce que Paul veut répondre à la question de Karim? Oui, franchement, écoutez, nous, sur les questions de redevabilité, ce qu'on a, le MSNE, hein, qui est l'évaluation multi-cluster des besoins, et qui a été piloté pour la première fois en RDC par Rich cette année. Alors, c'est vrai qu'on est peut-être plus en retard par rapport à certains autres contextes là-dessus. On l'a piloté sur une province et on espère pouvoir l'étendre à d'autres. Et on a pu inclure, donc on a travaillé avec Rich au niveau du Cash Working Group, et on a pu inclure une dizaine de questions cash dedans. Et donc, c'était une bonne opportunité pour nous, puisqu'on a pu mettre des questions en particulier en lien avec les préférences des bénéficiaires, donc ce qui a mis en avant le cash inconditionnel, mais également des questions plus proches qui ont trait plus, par exemple, à l'accès au marché, par exemple. On a vu que quand on demandait aux bénéficiaires combien de temps ça vous prend d'accéder à un marché, la première réponse qui est revenue du MSNE, c'était plus de 2 heures. Donc, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qui vont nous aider beaucoup en termes de programmation. Il y a aussi des questions plus lié à des préoccupations de... c'était assez général, il y avait beaucoup de choses, il y avait aussi des questions plus de protection. Mais voilà, on essaie d'augmenter un peu notre aperçu des questions de redevabilité à travers ce genre d'initiative, et puis on verra comment on avance également l'an prochain. Jennifer, tu penses à autre chose peut-être sur le sujet redevabilité? Salut. En fait, il a coupé un petit peu, so je n'avais pas bien entendu quoi tu as dit. Mais oui, en Congo, c'est un peu compliqué. So, désolé si je répète la même chose que Paul, mais c'est un peu compliqué ici parce que la majorité des acteurs sont vraiment engagés dans la réponse rapide et dans les réponses urgentes. Nous sommes vraiment... il y a vraiment beaucoup de soutien vers le gouvernement pour la création de les programmations de protection sociale. On espère que certains outils et certains systèmes qu'on mettra en place pour les réponses humanitaires vont soutenir cette partie du planification dans le futur, mais on est un peu loin de ça. Mais oui, dans le moment, on a aussi une grande discussion du Nexus au Congo, mais malheureusement, ça c'est absolument pertinent dans certaines provinces, dans certains territoires, pour voir comment on peut vraiment aller de action humanitaire vers le long terme, redevabilité. Pour le moment, ça reste, c'est pas la première chose à discuter ici parce qu'il y a beaucoup de challenges liés à ça. Et désolé si j'avais répété les choses que Paul a dit. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant par rapport à ce que vous voulez de partager en termes de redevabilité. C'est vrai que nous, ici au Sénégal, on a un programme. C'est un peu sur le cas de
institutionnel qui intervient dans le département de registre à ce niveau. Donc, il y a quand même des bénéficiaires de cash à ce niveau. On avait mis en place un centre de valeur à travers des comités qui étaient en place pour recueillir les plaintes à ce niveau. Il y avait aussi un numéro vert où les bénéficiaires peuvent envoyer des messages ou autres. Et avec le MIL, il s'agit quand même de collecter l'ensemble des informations pour faire les traitements nécessaires. Vraiment, merci beaucoup par rapport à ça. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres aspects à partager sur ce premier point. Visiblement non. Bien, merci beaucoup pour ce premier point et on peut passer au deuxième point. Bon, le deuxième point, c'est relatif au travail avec les prestataires de services financiers. Bon, là, nous aurons l'expérience de la RDC qui sera partagée avec nous. Ça va être Jennifer, je pense. Salut. Oui, désolé, il a coupé un petit peu. Tu peux répéter la question? Je ne sais pas si c'est mon connexion et c'est tout le monde. Je crois que c'est le mien. Tu peux répéter la question, Abdullahi, ou la commentaire? Qu'est-ce que tu as dit? La question? Tu peux répéter ce que tu as dit. Ah, ce que j'ai dit. Oui, s'il vous plaît. Oui, bon, c'était juste pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres points ou d'autres aspects à partager par rapport à ce premier point de l'ordre du jour. Et visiblement, non. Donc, on peut passer au deuxième point. OK. Au travail avec les prestataires de services financiers. OK. Moi, je suis contente de lancer cette conversation, mais donnez-moi un instant. Je suis juste en train de changer mon connexion de bureau vers mon téléphone parce que je ne suis pas très forte aujourd'hui du bureau. Donnez-moi un instant. OK. Allô, bonjour, Abdoulaye. Bonjour, Fadim. OK. Tout de suite, là, je parlais un peu de notre expérience au niveau de secours islamique. C'est vrai qu'en un moment, il y avait coupé. Je ne sais pas, est-ce que ça a été fini partout, franchement, parce que nous aussi, on développe un programme de cash transfert conditionnel dans le département de l'Église. OK. Au niveau de trois communes. Donc là, quand même, c'est vrai qu'on ne travaille pas directement avec un prestataire comme les mobiles Orange Money et autres. Ce qu'on a fait, quand même, on travaille quand même avec une mutuelle d'épargne de crédit qui s'agit un peu de faire le paiement auprès de ces bénéficiaires, de ces bénéficiaires-là. C'est vrai qu'à ce niveau, c'était un peu intéressant parce que c'était souvent le cas transfert conditionnel par rapport à une activité économique donnée. Et à partir de là, quand même, il y a eu pas mal quand même de réussite, surtout pour le développement de leurs activités économiques. Et avec ça aussi, il y avait un système de redevabilité qui a été en place avec les comités en place au niveau des communes. Donc, ça, j'ai quand même recueilli un certain nombre de plaintes de ces bénéficiaires-là. Il y avait aussi un numéro vert qui permettrait quand même aux bénéficiaires, s'il y a un peu des complaintes ou bien autres, à le partager à ce niveau avec notre bureau de MIL chargé de traiter les informations ainsi de les remonter au niveau du projet. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça à ce niveau. Donc, pour le cash transfert conditionnel, c'était 250 quand même, unités économiques qui ont pu quand même développer des activités grâce à ce financement de cash transfert conditionnel dans les trois communes. C'était ça un peu que je voulais partager au niveau de l'ONG de Gouïslamique. OK, merci beaucoup, Karim. Puisque on voulait justement un peu lancer la discussion avec le partage d'expérience de la RDC. Bon, le temps que Jennifer. Oui, ça va, c'est bon. Okay. Oui, c'est super intéressant. En fait, la raison que j'avais demandé à Abdullahi de mettre cette question sur l'agenda, c'est parce que pour nous, ça vraiment, c'est une grande partie de nos discussions ici et les frustrations pour les acteurs.
Et les, vraiment les challenges de vraiment faire beaucoup de cash ici, surtout les cash meilleurs adaptés pour you know, adapter aux technologies, si je voudrais dire. Oui, ça c'était juste pour peut-être juste partager un petit peu nos expériences ici. Au Congo, vraiment, c'est un pays très vaste avec l'infrastructure très différente dans toutes les différentes provinces, territoires, urbains, ruraux, etc. Par exemple, le mobile money qui est vraiment, et les téléphones qui sont vraiment utilisés dans d'autres pays ne sont pas vraiment utilisés ici. Je crois que la dernière information que nous avons, c'était que seulement 13% du pays sont enregistrés avec un compte de mobile money. Et si vous imaginez, il y a beaucoup de ces personnes qui sont à Kinshasa, le capital avec 16 millions de personnes. Vraiment pour nous, ça c'est difficile. La majorité des organisations ici utilisent les banques qui déplacent du centre-ville en fait pour aller dans une zone et qui fait la distribution en fait cash direct, cash en enveloppe, sous la supervision d'ONG ou de l'ONU, d'agence l'ONU. Donc, en fait, ici, oui, c'est très compliqué. Mais avec ça, vous imaginez, avec les banques, c'est très cher. Il y a beaucoup de problèmes d'opérationnel avec l'accès, avec sécurité pour les prestataires de services de déplacés. Il y a beaucoup d'autres... les gens essaient vraiment d'utiliser les autres options, même s'il n'y a pas beaucoup. Ils essaient d'utiliser les institutions des microfinances qui sont déjà dans les communautés ou au moins plus proches que les grandes banques. Il y a vraiment, mais ça c'est difficile parce qu'ils ne sont pas présents partout et on doit bien suivre la gestion des risques avec toutes leurs procédures opérationnelles et assurer que c'est un niveau bien apprécié par les agences et les bailleurs. Oui, c'était juste pour lancer cette conversation. On a aussi, il y avait un rapport, une étude qui était faite sur l'approvisionnement des prestataires de services ici. C'était un partenariat avec Elan RDC, c'était fait l'année passée. Et en fait, on a vu aussi que même la connexion entre les ONG ou les agences d'ONU et les prestataires de services ne sont pas très forts dans cette étape aussi. En fait, il y a beaucoup de prestataires de services qui ne répondent pas, mais souvent, vous avez un appel d'offres qui recevra seulement une ou deux réponses, seulement parce que normalement, on comprend de cette étude, c'est parce que les gens ne comprennent pas vraiment comment de travailler ensemble avec ces processus. Il a donné beaucoup de recommandations liées à le fait que c'est nécessaire de faire les formations et plus de liens entre les départements de procurement et aussi avec les prestataires de services. Avec l'assistance de Elan et de continuer les discussions, moi et Paul a lancé plateforme avec les discussions liées aux humanitaires prestataires de services. Mais maintenant, on vient de convenir une comité de pilotage avec trois humanitaires. Ça veut dire, on a dit, la Banque mondiale qui finance certaines choses, bien sûr, le HCA et le grand consortium de réponse rapide des ONG, SAFER. Et après, on a les trois différentes prestataires de services, ça veut dire deux banques. Et une mobile money provider. Et on est en train de vraiment essayer de créer les thèmes très importants pour les points d'action très réalistes et opérationnels, de vraiment faire les suivis, d'améliorer cette situation. On a déjà travaillé très proche avec la Banque mondiale
dans les dernières 10 ans, parce qu'un autre challenge pour nous aussi, c'est que les régulations bancaires et surtout sur Know Your Customer, c'est vraiment ancien ici. C'est au moins 20 années derrière les autres pays dans les régions. Ça veut dire dans les régions pas nécessairement centrales, mais surtout d'Afrique de l'Est, par exemple. Dans le sens que le Banque mondiale était en train de vraiment préparer les nouveaux projets d'investissement avec le gouvernement, on a essayé de travailler avec eux sur l'amélioration de certains types de régulations qui impactent vraiment les acteurs humanitaires dans le travail. Oui, on est en train de travailler sur ça, mais c'était juste un peu de lancer un peu de conversation sur ça avec les expériences des autres et les challenges ou peut-être les façons de gérer. Parce que si vraiment ça c'est un grand topic de conversation et ça prend beaucoup de notre temps à discuter, d'essayer de trouver les solutions et c'est vraiment ongoing. Merci à vous, Abdullahi. C'était juste un peu de lancer nos expériences ici et poser certaines questions en général pour les autres. Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Voilà, le débat est lancé. Khadim a déjà contribué par rapport à ces points. Bon, s'il y a encore d'autres qui veulent bien partager leur expérience ou commenter l'expérience de la RDC, vous pouvez le faire. Abdoulaye, je ne sais pas si quelqu'un veut parler, sinon j'ai peur que la RCA et la RDC monopolisent la parole. Ouais. Mais juste très mais juste parce que moi j'avais eu l'occasion de regarder ce que vous aviez mis en ligne et c'est super parce que je pense que le Cash Working Group en RDC, c'est un qui est le plus proactif et transparent sur tous leurs documents, sur tout ce qu'il y a sur Humanitarian Response, etc. C'est vraiment très appréciable en termes de partage d'expérience, même si on ne se parle pas. En tout cas, sachez que c'est visible. Et tout le travail que vous avez initié avec Elan, ça a l'air très intéressant. Et bravo pour ce qui se passe avec la Banque mondiale aussi. Peut-être nous, en RCA, on a beaucoup de défis qui sont similaires à ce qu'expliquait Jennifer, par exemple sur la couverture mobile, sur le fait qu'une très très faible population est majoritairement urbaine, forcément, ne serait-ce qu'un téléphone, alors encore moins un compte mobile money. Du coup, on s'est rendu compte que parmi les bailleurs, les partenaires humanitaires, etc., il y avait des perceptions très très différenciées et très pas fondées sur des données en fait, mais vraiment sur des perceptions sur notre capacité de scale up un petit peu le mobile money. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a initié un travail avec GSMA que j'imagine que vous connaissez pour faire une évaluation. Donc, qui s'appelle CONUA, donc tout ce qui est... en fait, il s'agit d'étudier la connectivité des ménages et les usages des populations sur le mobile money et leurs préférences, etc. Mais également faire des enquêtes qualitatives auprès des FSP et des opérateurs mobiles. Donc, notre objectif, on va faire ça à la fin de l'année et début 2022, c'est... Pardon, j'ai été déconcentrée. C'est de se fonder vraiment sur ces usages réels pour développer après un plan d'action un petit peu concret sur comment on peut définir des actions et des plaidoyers ensemble envers les bailleurs, envers les FSP, etc., un peu ce que vous faites avec Elan, pour avancer, si c'est souhaitable de faire du mobile money. Mais voilà. Merci, over. Merci beaucoup. Et une autre contribution. Non. Oui. Ça risque d'être vrai, hein, comme le dit Eve. La parole est monopolisée par la RDC et la RCA. Bon, je ne sais pas, avant de clôturer ce point, si peut-être il y a d'autres choses. Les toutes dernières choses à ajouter de votre côté, Jennifer, Paul, ou sinon on peut passer au prochain point. De ma côté, pardon, Paul, allez-y. Non, vas-y, c'est bon.
Oui. D'accord. Je crois que mon internet coupe un petit peu encore, mais oui, mais c'était juste pour j'ai souligné cette pointe et c'est super intéressant l'expérience de RCA. Oui, c'était juste, je voudrais vraiment lancer cette pointe parce que c'est, je crois que c'est quelque chose qui est difficile vraiment dans cette région de l'Ouest d'Afrique et de Centrafrique. Et il y a peut-être un peu continuer la conversation, mais aussi de souligner pour les autres, si vous avez des choses particulières liées au prestataire de service ou quelque chose comme ça, comme Eva a dit, nous avons beaucoup de choses, y compris cette étude, ou au moins toutes les grandes lignes de cette étude d'approvisionnement ici, si ça c'est sur notre site web, mais aussi en charge les autres leçons apprises et l'information liée au engagement des prestataires de services et les challenges pour les acteurs. C'est donc, oui, c'était juste pour lancer cette pointe et de continuer la conversation dans le futur. Merci Abdullahi pour le moment de discuter ça. Merci beaucoup. Ok. Ok, super. Donc, je pense qu'on peut passer au troisième point relativement à la révision en cours du glossaire buccal. Voilà, je vais inviter Fiorenza. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, mon nom, c'est Fiorenza Coutane. Et... Bonjour. Bonjour, je vous rejoins depuis la Suisse en ce moment, mais je travaille à moitié en Suisse, à moitié en Argentine, et je viens de rejoindre le CALP approximativement il y a un mois. Et voilà, et je voulais vous informer aujourd'hui que nous venons de lancer le processus de révision du glossaire des transferts monétaires du CALP et dans les différentes langues. Et donc, comme vous savez, le dernier glossaire date de 2018, donc il y a beaucoup de changements, des nouvelles terminologies peut-être qui seront insérées dans ce glossaire, ou peut-être des révisions de la terminologie existante pour avoir plus de précision. Et si vous voulez, la nouveauté un peu dans ce processus, cette année de révision de toutes les langues, c'est qu'on va essayer de mener les différentes révisions dans les différentes langues de manière quasi simultanée, et pour voir si voilà, justement les différents processus vont pouvoir s'influencer l'un l'autre. Et donc, si vous savez peut-être par rapport à l'anglais, cette version de l'anglais se fait entre le CALP et le comité, le TAG, donc le Technical Advisory Group du CALP. Et pour les versions justement françaises, en ce qui nous concerne, on va créer un petit groupe de référence des personnes intéressées à travailler sur ce document, justement, pour voir voilà, quels nouveaux termes, d'une part, pourraient être intégrés dans le glossaire, et d'autre part, voilà, la nécessité aussi peut-être d'adapter certaines des définitions que nous avions en 2018. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on envisage un peu ce processus sur une durée de 4 mois. On aimerait bien que ça commence donc maintenant, fin novembre, début décembre, et que ça se termine plus ou moins fin mars. Le petit groupe de référence, donc avec les personnes qui sont intéressées à participer, on va avoir quelques réunions en ligne, ensuite ce sera essentiellement des consultations par écrit. Et puis voilà, donc c'est un peu aussi un appel, si vous êtes intéressé à rejoindre ce groupe de référence pour travailler ensemble à la révision du glossaire, on serait ravis de vous accueillir. Et voilà, j'aimerais bien vous demander, si vous avez un intérêt, donc de prendre contact avec Abdoulaye. Dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir créer ce groupe d'ici à la fin du mois de novembre pour pouvoir commencer déjà les travaux à partir du mois de décembre. Et je voulais encore vous dire, c'est un processus global. Donc, on va, disons, la version française, on aimerait bien pouvoir compter aussi sur l'appui et la participation du Cash Working Group de Haïti. Et voilà, comme ça, on aura peut-être beaucoup de input venant des régions. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir avoir un document qui serve aussi à la communauté de pratique dans les régions, etc. Voilà, je ne sais pas si Abdoulaye ou Pauline, qui va aussi travailler sur le glossaire et qui est avec nous, veulent ajouter quelque chose. En tout cas, je suis ravie de pouvoir participer à ce processus et je vais coordonner aussi la version espagnole. Donc, ce sera intéressant de pouvoir suivre les processus en même temps. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Fioranza. Bon, comme elle a dit, le processus, cette fois-ci, ce qui est innovant, ce n'est pas une traduction des versions anglaises comme d'habitude, mais ça sera un processus simultané avec toutes les langues officielles du CALM. Donc, on veut que les processus dans les différentes langues se complètent, s'influencent les uns les autres. Ici, on a partagé l'information ici, c'est parce que, bon, la version française, on a une grande communauté francophone ici en Afrique de l'Ouest. Donc, si vraiment vous êtes intéressé à participer, vous pouvez nous notifier, nous informer. Mais en même temps, sachez aussi que ce n'est pas un processus qui va se limiter uniquement à ce groupe de travail qui sera mis en place. Donc, ça sera ouvert. Si même vous ne voulez pas être membre de ce petit comité, vous pouvez toujours contribuer à travers ce petit comité, à travers les membres qui sont dans vos différents pays ou nous directement, de telle sorte qu'on s'assure que le processus a été aussi participatif que possible et qu'on a de nouveaux termes adaptés aux nouvelles réalités, comme Fioranza l'a dit. Bon, voilà ce que j'ai voulu ajouter. Je ne sais pas, Pauline, si tu as d'autres choses à ajouter. Bonjour tout le monde. Non, je n'ai rien à ajouter. Non, je rejoins juste ce que vous avez dit tous les deux. Donc, vous pouvez joindre le groupe de référence ou sinon juste... vous impliquer de manière plus ponctuelle, si vous préférez. Mais non, comme Abdoulaye et Fioranza l'ont dit, c'est avec plaisir si vous pouvez vous joindre à nous, mais rien n'est obligatoire, évidemment. Merci. OK, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Eve, puisqu'elle veut aller dans une autre réunion. Je vois la main de Charlie. Oui, merci Abdoulaye. Alors, je voudrais juste savoir, est-ce qu'on pourrait aussi faire des contributions par rapport au digital, aux moyens de paiement digital et tout? Parce que parallèlement, moi, je fais partie justement de l'association Digital Frontier Institute basée en Afrique du Sud. Et nous travaillons énormément justement sur les questions liées aux services, aux moyens de paiement numérique. Les fintechs, les plateformes de paiement, les projets de plateformes à service. Donc, je voudrais savoir justement, est-ce que ce sont des orientations également qui sont prévues et si on pourrait aussi participer notamment sur ces points-là. Et si oui, je suis vraiment intéressé pour justement rejoindre peut-être le groupe francophone sur ce point. OK, merci beaucoup, Charlie. Effectivement, il y a le glossaire, il est assez complet, y compris ces aspects de paiement, prestataires de services, etc. Donc, tous ces aspects liés au transfert monétaire sont abordés dans le glossaire. Donc, il y a des éléments liés, mais il faut aussi bien comprendre que bon, ce n'est pas tous les éléments liés aux paiements digitaux qui seront abordés. Donc, on se concentre plus sur les aspects les plus utilisés, etc., tout ça. Parce que bon, les paiements digitaux, c'est assez vaste, mais relativement au transfert monétaire humanitaire, on peut réduire aussi la liste. Donc, pas de souci si il n'y a pas de problème pour faire partie de ce petit comité qui sera mis en place. Il y a d'autres questions? Oui, Fioranza? Oui, peut-être juste pour ajouter effectivement des premières conversations que j'ai entendues sur la version anglaise où disons ils ont déjà peut-être fait quelques consultations dans le cadre du petit groupe qu'ils ont. Effectivement, ce sera une des thématiques où quelques termes déjà vont être introduits par rapport à tout ce qui concerne la digitalisation, etc. Parce que c'est un petit peu le domaine qui a beaucoup évolué. Donc, je sais qu'il y aura justement la possibilité d'intégrer certains timbres. Encore une fois, je pense que pour ne pas avoir ensuite à la fin un glossaire de 1700 termes, il y a la limite qui est de fait que ce soit un glossaire utilisé dans le domaine humanitaire. Mais sinon, je trouve exceptionnel qu'on puisse justement introduire aussi des nouveaux termes dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup aussi, Charlie, pour cet intérêt. OK. Merci beaucoup, Fioranza, pour ce complément.
Donc, le petit groupe, comme elle a dit, c'est 4 mois, mais ce n'est pas 4 mois de travail. C'est-à-dire on étale ça sur 4 mois, mais c'est plus du travail en ligne. C'est pas, ça sera un peu light, ça sera facile. C'est plus des contributions en ligne, etc., des échanges. Donc, ce n'est pas vraiment pour prendre assez de votre temps, pour ne pas vous décourager à vous engager là-dessus. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, il n'y a pas de souci, il faut juste me faire signe. Bien, il y a d'autres questions? Bien, visiblement non. Donc, nous allons maintenant passer au 4e point de l'ordre du jour concernant la prochaine formation de formateurs que le CAD va organiser ici à Dakar du 29 novembre au 3 décembre prochain. Bon, l'idée pour nous ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer d'abord le plus rapidement possible et autant que possible avec les mêmes qualités, les capacités à pouvoir délivrer les formations dans vos pays respectifs, c'est-à-dire vous rapprocher plus de ces formateurs, vous rapprocher plus l'accès à nos formations. Donc, c'est ça l'idée derrière l'organisation de ces formations de formateurs, puisque là, ça va être la deuxième formation en 2021. La première formation de formateurs, on l'avait faite en février passé, et cette fois-ci, on fait encore une autre en face à face. Mais parallèlement aussi, nous avons organiser deux formations de formateurs, mais cette fois-ci pour des formations en ligne. Cette fois-ci, on a aussi organisé deux cette année. Donc, vous voyez comment on s'y met pour faire en sorte qu'il y ait assez de capacités sur le terrain. Donc, augmenter le nombre de formateurs. Mais l'aboutissement du processus ne se limite pas à la participation à la formation de formateurs. Il y a un autre processus qui suit. Il faut trouver des opportunités de co-facilitation. Si vous avez de la chance de passer une seule fois, sinon la deuxième fois, pour devenir formateur certifié CALP. Donc, et la liste de tous nos formateurs certifiés CALP, elle est disponible sur notre site web. Donc, si vous voulez organiser des formations, vous pouvez même les contacter directement, etc. Donc, l'idée pour nous, c'est de progressivement aussi externaliser la délivrance de cette formation plutôt que, comme d'habitude, on voit, c'est le staff du CALP qui le fait, mais on veut que ça soit de plus en plus des ressources externes au CALP pour qu'il y ait plus de diversité, plus de possibilités et plus d'accès à nos différentes formations. Donc, cette fois-ci, nous allons... Nous avons l'intention de former une dizaine de personnes. Donc, les inscriptions sont clôturées, la sélection est terminée. Ceux qui ont été sélectionnés ont été déjà contactés. Il reste la confirmation, en principe, aujourd'hui ou demain. Normalement, tout doit être bouclé. Donc, les places sont extrêmement limitées du fait de la COVID-19. Donc, il y a 13 places pour toute la région. Donc, la sélection n'est pas facile pour 94 candidats. Mais bon, donc vous comprenez pourquoi on le fait de temps à autre, parce qu'on sent qu'il y a quand même de la demande au niveau de la région. Donc, voilà, là où on est par rapport à cette formation de formateurs. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis là, je suis dit. Oui, peut-être une question. Est-ce que ces formations aussi sont faites au niveau du pays, facilitées au niveau du pays pour assurer qu'on a plus des agences qu'on peut toucher et l'autre? Alors, peut-être les facilitateurs de cette formation font des formations au niveau du pays. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu la question de Lynn. Elle posait la question de est-ce que les facilitateurs de cette formation le font au niveau du pays, etc. C'est ça la question? Oui. OK. Bon, c'est des facilitateurs, comme je l'avais dit
cette formation sera facilitée par des formateurs certifiés CALM. Donc, leur liste, elle est publiée sur notre site web. Et c'est des formateurs, s'ils sont certifiés, ils sont à la disposition de n'importe quel pays qui voudra bien en faire appel. Et dépendamment de leur disponibilité, ils peuvent aller dans les pays s'ils sont libres de tout engagement. Parce qu'il y en a qui sont des staffs des ONG, qui ne sont pas totalement libres, mais il y a aussi d'autres qui sont des consultants indépendants, donc qui peuvent bel et bien se mettre à disposition des Kachorke Group ou des organisations ou des consortiums pour organiser des formations aux besoins. Maintenant, relativement à cette formation de formateurs, pour l'instant, c'est le CALP qui a l'initiative et je dirais même le monopole d'organiser une formation de formateurs pour mettre en place des formateurs certifiés. C'est naturellement compréhensible. Mais après leur certification, ce n'est pas seulement au CALP d'organiser une formation par rapport à tel ou tel module. Donc, si par exemple, un Kachorking Group ou une organisation veut organiser une formation spécifique à son staff, etc., elle peut faire appel directement à ses formateurs certifiés, directement, sans nécessairement passer par le CALP, puisque leur contact, leur nom, etc., et avec les modules et les langues dont ils sont autorisés à faire, elle est publiée sur notre site web. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par nous. Mais vous pouvez toujours nous demander peut-être des orientations ou quelques explications si vous n'avez pas compris. Donc, l'idée pour nous, c'est que nous, on forme et on crée ces ressources de formateurs certifiés pour qu'elles soient à la disposition de toute la communauté de pratique, quel que soit le pays, quelle que soit la région. Parce que si c'est un consultant qui est indépendant, qu'il soit en Europe, en Afrique, si vous l'appelez, il peut venir s'il est disponible. Mais comme je l'avais dit, il y a d'autres aussi qui sont des personnels, des ONG, et des agences des Nations Unies, etc., qui ne sont pas totalement libres. Mais s'ils sont présents dans vos différents pays respectifs, ça constitue déjà une ressource près de vous que vous pouvez faire appel aux besoins, qu'ils soient de votre organisation ou pas. Et le Kachorking Group, par exemple, peut faire appel à un formateur certifié qui est sur place dans son pays, ou bien une autre organisation peut négocier directement avec le staff de l'autre organisation pour pouvoir organiser la formation. Donc, tout est possible. Donc, l'idée pour nous, c'est que qu'il y ait assez de formateurs certifiés disponibles dans les pays ou bien même pour les pays, parce que ceux qui sont des consultants indépendants, qu'ils soient au pays ou pas, vous pouvez faire appel à eux. Je vois une main de Jennifer. Oui, merci Abdelahi. Peut-être juste partager un peu d'expérience. Je crois que je sais que vous êtes en train de vraiment mettre beaucoup plus ouais, avec ces personnes qui sont formées après d'avoir cette ressource. Mais ouais, juste pour souligner pour les autres qui sont peut-être pas familiers, en fait, il y avait toujours cette ressource, mais vous êtes juste en train d'enlarger, en fait. Parce que j'avais fait cette expérience dans d'autres pays où nous avons contacté les gens sur cette liste des ressources. On a cherché des formateurs français qui étaient... qui a la formation, l'habilité de donner une formation CALP. Et en fait, c'était très bien fait. Et aussi, je crois que cette ressource n'était pas vraiment utilisée dans les années passées parce qu'en cause de COVID, c'était vraiment difficile de demander aux consultants de venir au pays pour faire quelque chose comme ça. Mais dans le même temps, par exemple, au Congo, il y a beaucoup de personnes qui a fait cette formation qui sont dans les organisations qui font partie du Cash Working Group et aussi qui sont en train de faire les différentes étapes de cette certification. Et donc, on a même discuté un petit peu avec ces organisations si on ne veut jamais organiser une formation spécifiquement au CALP. Un peu, on a des gens dans les pays, on peut contacter leurs organisations et on peut demander une ou deux semaines de leur temps de faire ensemble ou de faire eux-mêmes ou ensemble avec les autres qui sont certifiés. Donc, en fait, je crois qu'il y a beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de... Parce que j'ai l'impression avant, c'était beaucoup plus...
les gens qui ont travaillé comme consultant, et je crois que les gens qui ont toujours fait ça, mais aussi il y a maintenant beaucoup de personnes qui sont dans les organisations, qui peut-être fait les formations à l'intérieur de leurs organisations et qui peut être une bonne ressource au Cash Working Group pour les formations des autres dans les pays. C'est so, juste un petit passage de mon expérience liée à ça. Merci beaucoup, Jennifer. Il y a une main de Karim. OK, bonjour à tout le monde. Donc, Abdoulaye, moi, j'avais juste une question par rapport aux modalités de participation pour la formation des formateurs qui est prévue à Dakar. Donc, à ce niveau, par exemple, si quelqu'un veut participer à cette formation, quelles sont un peu les modalités à ce niveau? C'est juste cette question-là. Bon, comme toutes les formations que nous organisons, bon, on lance un appel à candidature, les gens s'inscrivent et puis après, on sélectionne parce que bon, les places sont limitées. Mais en plus des places limitées, nous voulons aussi nous assurer qu'on a des bons profils. Parce que, surtout pour cette formation de formateurs, nous voulons plus des gens qui sont déjà, ou, bon, de par leur profil, sont prédisposés à être disponibles pour les Cash Working Group ou bien pour leur organisation ou pour leur partenaire. Parce qu'il ne s'agit pas de former des formateurs, mais il faudrait bien qu'après la formation des formateurs, qu'ils puissent délivrer. Donc, ce sont ces genres de profils qu'on essaie autant que possible de cibler. Mais comme je l'avais dit, c'est juste une première étape. Donc, la condition, il faut s'inscrire, être sélectionné, être invité à la formation. Et puis voilà, il n'y a pas de frais à payer. Mais par contre, s'il y a un voyage à effectuer, là, le voyage est à la charge du participant. Donc, nous, ici, pendant la formation, on prend en charge les repas en salle. Et on paye les formateurs, tout ce qui est matériel didactique, etc. Mais tout ce qui est voyage, hébergement, etc., tout ça, ça, c'est à la charge des participants. Donc, voilà les conditions. Bon, maintenant, c'est trop tard pour ceux qui ne se sont pas inscrits parce que c'est déjà clôturé. On a déjà contacté ceux qui ont été sélectionnés. Donc, la liste est pratiquement bouclée. Les confirmations, les dernières confirmations, en principe, c'est aujourd'hui. Et déjà, il y a pratiquement tous, ils ont confirmé. Il reste une ou deux personnes qui restent. Donc, du coup, bon, c'est pour cette formation de formateurs, c'est fini. Bon, l'autre aspect aussi que je voulais ajouter relativement à la question du COVID, donc le CALP a déjà vu cet aspect, puisque la formation des formateurs, il n'y a pas qu'en présentiel, il y a aussi la formation des formateurs en ligne pour pouvoir faciliter nos formations version en ligne. Donc là aussi, on organise des formations de formateurs comme ça. Et cette année, on avait organisé deux, comme je l'avais dit. Et on a l'intention aussi de poursuivre, de continuer. Mais ce qui est peut-être particulier ici en Afrique de l'Ouest, c'est surtout nous voulons nous focaliser sur les formateurs francophones. Parce que c'est là où on a senti qu'il y a un gap. Donc d'où, vous voyez, ça fait la deuxième fois qu'on fait une formation de formateurs en français, en face à face. Donc l'idée pour nous, c'est essayer de diminuer ce fossé qu'il y a, ce gap qu'il y a entre les formateurs anglophones et puis les formateurs francophones. Donc, de toutes les façons, les formations en anglais sont prises en charge par les ailleurs, mais ici en Afrique de l'Ouest, nous privilégions pour l'instant les formateurs francophones. Donc, voilà pourquoi vous voyez que, bon, pour la deuxième fois, on organise cette formation en français. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Bon, comme je l'avais dit, nous sommes, c'est la première fois qu'on le fait en ligne et en présentiel depuis le COVID. Nous sommes dans les locaux de Ocha, ici à Dakar. Bon, nous ne sommes pas nombreux, mais quand même, il y a Benedetta qui veut s'introduire, se présenter à vous. OK. Merci Abdoulaye, bonjour à tout le monde. Donc oui, avec Abdoulaye, suite à la demande d'Abdoulaye de faire une réunion en partie en présentiel, en partie en remote, aujourd'hui nous avions préparé la salle au chat. On a un numéro maximum de personnes qui peuvent venir physiquement pour assurer que on n'est pas trop dans la salle, mais la salle a suffisance grande, donc peut-être
la fois prochaine aussi, s'il y a des personnes qui sont intéressées, parce que c'était vraiment beau de se revoir et de pouvoir être tous assis dans la même table que de le faire en remote. Je voudrais me présenter parce que je viens juste d'arriver chez OCHA au niveau régional. Je m'appelle Benedetta et je suis la responsable de l'unité coordination de OCHA. Je remplace mon collègue qui était Fabrice, que peut-être certains d'entre vous ils ont connu. Il y a ma collègue Merci qui usuellement suit les réunions du CASH, mais elle était en surge pour un certain moment, donc elle vient juste de rentrer et reprendre la participation. Quelques mises à jour de ma côté. Comme vous le savez, il a été créé le fonds humanitaire au niveau régional. Ce fonds humanitaire, il appuie aussi le lancement des allocations au niveau des pays. Donc, il y a eu une allocation qui a été lancée au Niger. Et maintenant, notre collègue Olivier, il est au Burkina Faso pour les mêmes, pour lancer une nouvelle allocation du pool fund sur le Burkina. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le pool fund au niveau régional, donc nous allons organiser une réunion d'information dans les prochains jours. Je vais me coordonner aussi avec Abdoulaye pour être sûr que tout le monde concerné et intéressé pourra avoir accès à cette information. Pour le moment, on n'a pas de documents en ligne. Je sais que la RDC, sur ça, ils sont super bien. Ils ont tous les documents en ligne ici. On devrait les faire. Et après, juste pour vous informer, parce que pendant les présentations, vous avez beaucoup parlé des redevabilités aux populations affectées, donc accountability to affected people. Il y a des discussions en cours au niveau de ACR, UNICEF, OCHA et certains acteurs humanitaires sur les besoins de créer une task force au niveau régional. Ça ne serait pas un working group formel parce qu'on a besoin d'alourdir encore plus les mécanismes que nous avons de coordination, mais l'idée serait plutôt de créer une communauté de praticiennes, de partage d'expérience, de partage de leçons apprises pour faire des webinaires, des formations qui puissent bénéficier aux différents pays au niveau de la région. Donc nous avons drafté l'idée. On va la présenter à l'intersectaire à fin novembre et à la réunion du IASC régional en décembre-janvier. Et donc, l'idée, c'est à partir de 2022 de pouvoir avoir ce working group. Je pense que vous, en tant qu'acteur CASH, c'est quelque chose de très intéressant pour vous et vous avez aussi beaucoup de bonnes pratiques à partager avec les autres secteurs. Donc, je vous disais, c'est seulement une idée, on doit avoir la validation formelle du IASC, mais des discussions sont en cours. Et c'est tout de ma côté. Si vous avez besoin de me contacter, Abdoulaye peut partager en ligne mon email, comme ça vous pouvez me contacter. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup Jennifer pour cette précision. Oui, merci. Bien. J'ai vu le message d'Eva et j'ai dit, mais c'est comment la communication peut contribuer à la durabilité? Et après, j'ai vu le message. Désolée pour ça. OK, bon, pas de souci, hein, ça arrive, hein, c'est pas bien. Donc, nous sommes au terme de notre réunion. On a couvert. Ah, je vois encore des mains. Bon, c'est toujours Kadim. Il y a une autre question. Okay. Bon. Oui, là, c'est juste une question quand même, Abdoulaye. Merci beaucoup par rapport à ce que vous avez présenté sur la formation des formateurs. C'était à ce niveau par rapport quand même à l'obtention de financement complémentaire pour un peu les cash conditionnels au niveau des différentes zones d'intervention. C'est vrai que nous, au niveau de notre expérience, nous, on appuie quand même les bénéficiaires, mais à ce niveau, on voit que souvent quand même, il y a aussi le besoin
d'avoir des financements complémentaires. C'est pourquoi je voulais poser la question au niveau du groupe CALP. Est-ce qu'il y a des circuits sur lesquels quand même on peut faire appel par rapport à des financements complémentaires pour financer un peu le cash auprès des bénéficiaires, surtout dans le cadre des activités économiques? Bon, ça c'est... Allô? Oui. C'est bon, vous avez compris la question? La question, c'est, bon, je ne sais pas si c'est clair pour moi, la question c'est comment trouver, ou bien est-ce qu'il y a des possibilités de financement complémentaire pour... Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Bon, je ne sais pas si j'ai la réponse à mon niveau, mais peut-être que les autres, si ils en ont. Si j'ai bien compris la question, il y a ceux qui se mettent en consortium ou en coordination ou quelque chose comme ça, puisque pour se compléter sur le terrain, il y a aussi cette option-là. Okay. De telle sorte qu'on s'assure que ce que l'un n'a pas pu compléter, l'autre pourra compléter. Mais on peut aussi régler cette question bien avant, c'est-à-dire au niveau des analyses des options de réponse, toutes les évaluations conjointes qu'on fait dès le départ. Ça permet déjà de voir qui est où, qui fait quoi, et selon les capacités des uns et des autres, puisque vous travaillez ensemble. Donc, la question de la coordination, ça peut aussi contribuer à, même si on ne réduit pas totalement la question, mais quand même s'il y a un cadre comme le Cash Working Group, justement, c'est ça son rôle, où on aborde ces questions, ça permet aussi de prendre en charge ces questions, même si ça reste toujours théorique, puisque ça dépend des financements que les uns et les autres vont pouvoir mobiliser. Mais le fait de se parler permet quand même de savoir quelle est la capacité de X, Y, etc. par rapport à telle ou telle zone et quelles sont les possibilités que nous avons de travailler ensemble pour pouvoir compléter les uns les autres nos activités sur le terrain. Bon, moi, à mon niveau, c'est tout ce que je peux dire. Bon, maintenant, concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a ce type de collaboration et comment ça se passe au niveau des différents pays? Bon, les autres, les Cash Working Group qui sont présents à La Réunion peuvent aussi contribuer. OK, merci beaucoup par rapport à ça. OK. Bon, je pense qu'il n'y a plus de main levée et nous sommes à la fin de notre réunion. Encore grand merci à tous et désolé, nous nous excusons énormément de ces difficultés de démarrage liées à ces changements de bureau de OCHA. Mais, je vois Jennifer. Oui, pardon, Abdullahi, c'était juste, je vois beaucoup de noms et prénoms que je ne connais pas. Et je ne sais pas si c'est possible peut-être pour les gens de juste présenter un petit peu, parce que c'est la première fois qu'on a fait ça depuis très longtemps, et ça serait bon juste de connaître tout le monde. Oui, très bonne suggestion aussi. On peut peut-être chacun laisse un message. Il a écrit son nom et puis son organisation, ça nous permettra effectivement de nous connaître les uns les autres. Et aussi, on demande le partage des présentations. Est-ce que c'est possible de les partager? OK. Donc, si chacun peut laisser son nom, son organisation dans la chat box, comme ça on va se connaître les uns les autres. Ouais. Merci Abdullahi. OK.
Paul. Jennifer, Paul n'est pas là. Et pour la présentation de Paul, est-ce que c'est possible de la partager avec le groupe? Oui, absolument. On va partager bientôt. Oui, je crois que Louis et Eva, ils ont une réunion régionale d'Ocha. C'est la raison, les deux, en partie à exactement à depuis 11 minutes. Oui, je vais assurer que c'est partagé. OK, bon, Eve a quitté déjà, mais je vais lui demander aussi si c'est possible et puis on va la partager. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi placer et l'enregistrement et les différentes présentations sur la page du Kashokin Groupe Régional sur notre site web. Comme ça, tout le monde peut télécharger et peut encore écouter l'enregistrement. Bien. Donc, je pense que c'est bon. On peut mettre fin à la réunion comme ça. Et merci à tous et à la prochaine. Merci.